Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Je suis en compagnie de LOL pour un rapport de bataille autour de Warhammer 40 000. Et je suis venu avec mes armures dorées, mes custodes. Et tu vas affronter ma Death Guard, c'est parti pour la vidéo. Donc dans ma patrouille, j'ai un choix de QG qui est un Shield Captain sur moto Jet Dawn Eagle, qui va être mon seigneur de guerre, qui est équipé d'un lanceur à salve, d'une Miséricordia, qui a la particularité d'avoir comme trait création supérieure un Feel No Pain à 5+, une relique qui est la moto Aquilador, qui lui donne une 3+, un vu et la relance des charges, et j'ai payé pour un point de co le trait de commandant, génie stratégique qui lui permet de récupérer les points de co sur un 5+, pour ceux que je dépense moi. Après, dans cette patrouille, j'ai un seul choix de troupe, qui est composé de 3 Custodian Guard, dont un qui a le bouclier Storm et la lame sentinelle. Les deux autres seront en lance de gardien. J'ai après 2 choix d'élite. Le premier va être un Vexillus Praetor, équipé d'un bouclier Storm et de la Vexillus Magnifica qui permet d'avoir moins 1 en bulle pour toucher au tir. Mon deuxième choix d'élite sont 6 Alarus, les Terminators, dont 3 avec la hache Castellan et 3 avec la lance gardien. Derrière, dans ma patrouille, je vais avoir 2 choix d'attaque rapide qui vont être similaires, qui sont 2x5 Venatari, les petits pigeons dorés, tous équipés du pistolet kinétique. Et pour finir, 2 choix de soutien, 2 très belles figurines qui sont le tank Caladius et le Télémon équipé de double canon et de son lanceur Spiculus. Voilà pour mes 2000 points quasi tout rond. Et bien voilà, l'armée que je vais jouer aujourd'hui contre les Custodes de LOL seront de la Death Guard alliée avec un tout petit peu de Thousand Sounds. On aura donc un bataillon Death Guard qui va consommer quelques points de com avant la partie, à savoir le stratagème monstruosité contaminante sur les rhinos qui va leur permettre de gagner l'affreusement résistant, ainsi que et bien 2 points de com pour pouvoir rentrer un détachement auxiliaire Thousand Sounds avec Harry Man. Ça c'est la composition générique de l'armée, et maintenant on passe au détail. Allez, on rentre dans le détail de l'armée avec en seigneur de guerre le prince démon qui a le trait archi-contaminateur qui donne une full relance des jets de blessures pour les armes de la peste. Il est accompagné d'un malignant plaque caster qui lui aura la relique fourreau de caillot ferreux ou quelque chose du genre, la relique qui va lui permettre de booster l'invulnérable des machines démons à 7 pouces de lui. Ensuite, on va avoir 3 troupes, il y a 2 escouades de 9 plague marines s'embarquer dans des rhinos, eux ils sont équipés de manière classique en bolter, et ensuite on aura une escouade de 15 plague marines, ils sont équipés tous en double couteau, et il y en a 2 qui seront équipés du fléau de corruption. Voilà pour les troupes. Ensuite, on retrouve 2 choix d'élites qui seront embarqués dans les rhinos avec les plagues. Le premier que vous avez ici, c'est le Full Blight Spawn, donc c'est le super lance-flamme. Et on va retrouver aussi le Biologus Putrifer qui lui permet de faire la petite combo avec les grenades qui va bien. Ensuite, on va retrouver un pack de 3 Mephitic Blight Hauler en fuseur et en lance-missile et 2 Plague Burst Crawler qui sont équipés avec les canons Entropie. Voilà pour la partie Death Guard. Pour finir, on aura Harry Man qui va être là essentiellement pour amener Warp Time sur une armée qui est un petit peu lente et qui pêche un peu en termes de portée. Voilà, il aura aussi Prescience et Death Ex. Avant de vous présenter le scénario, on va refaire un point sur la table de jeu, notamment l'interaction des décors qui a une importance capitale sur cette V9. Vous avez été nombreux à nous demander plus de décors sur les rapports de bataille, alors on a joué le jeu. Sur celle-ci, vous allez retrouver différents types de modules. La majeure partie sont des décors de type ruine, ça va être des décors qui vont offrir des bloquants, c'est-à-dire qui vont impacter les lignes de vue. Vous en avez de nombreux disséminés sur la table, voilà, c'est vraiment
vraiment tels qu'ils sont joués. On va aussi retrouver des conteneurs. On a deux blocs de conteneurs de part et d'autre de la table. On va avoir une zone industrielle que vous avez juste ici, qui elle interagit différemment avec le jeu, puisqu'elle met un malus de moins 1 à la touche quand on tire à travers. Et on va retrouver aussi des cratères qui ont la faculté de mettre moins 2 au mouvement et à la charge, et qui sont, voilà, c'est ça, qui fait moins 2 au mouvement et à la charge. On aura aussi des petites forêts que vous avez ici et que vous avez là-bas. Et voilà, pour l'ensemble des décors qui seront joués, on passe immédiatement à la présentation du scénario. Le scénario joué sera le scénario numéro 22 du Chapter Approved Grand Tournament, ligne de bataille avec un déploiement en marteau et en clume, 4 objectifs sur la table. Les objectifs primaires se scorent à 5 points pour le contrôle d'un objectif, 5 points supplémentaires pour 2 objectifs et 5 points supplémentaires si vous contrôlez plus d'objectifs que votre adversaire. Donc ça, c'est la classique. Et ensuite, vous avez la possibilité d'avoir un secondaire au choix sur ce scénario qui va être de marquer 2 points de victoire pour chaque objectif qui n'est pas dans les zones de déploiement et 3 points de victoire si vous contrôlez l'objectif qui est dans la zone de déploiement adverse. Voilà, scénario relativement simple mais qui va reposer essentiellement sur les choix des secondaires qui, pour le coup, eux, sont génériques au livre des règles. On vous a donc présenté le scénario, les armées ainsi que le fonctionnement des décors sur cette vidéo-là. Il va falloir vous présenter maintenant les objectifs secondaires qu'on a chacun sélectionnés. Ils sont au nombre de 3 et je te laisse la parole pour présenter tes secondaires. Alors, le premier que j'ai pris, du fait du nombre de personnages que tu as et qui vont sûrement un peu s'exposer, ça va être Assassinat. Ouais, qui consiste à marquer 3 points de victoire par personnage que tu tues et j'en ai 5 dans la liste. Okay. Ce qui tombe bien, c'est le maximum possible, 15 points. C'est propre. Le deuxième que j'ai pris, c'est Domination. Comme on est sur un scénario avec 4 objectifs, à partir du moment où j'en contrôlerai plus de la moitié, donc 3, sachant que les Custodes ont la particularité d'être quasiment tous super OP, je marquerai 4 points de mémoire. Tout à fait, Thierry, sauf que c'est 3 pour la Domination. 3 points, mais j'en marquerai 4, moi. Psychologiquement, c'est 4. Non, c'est OK, 3. Donc, Assassinat, Domination et... Le dernier, Terrain Vital. Terrain Vital, qui est le... secondaire du scénario, qui correspond aussi un peu à Domination, ça veut dire contrôler les objectifs, 2 points pour ceux du milieu chacun, et 3 points si jamais c'est le tien. Ouais. Celui dans ta zone de déploiement. De mon côté, j'ai choisi Tenons tant que nous pouvons, il me semble que c'est ça en français, qui consiste à garder mes 3 figurines les plus chères de l'armée, à savoir mon prince démon Death Guard, Harryman, ainsi qu'un Plague Burst Crawler. J'ai choisi aussi la domination, donc contrôler 3 objectifs. Et pour finir, j'ai aussi pris terrain vital. Donc on est sur des choix de part et d'autre sur le contrôle map. Il n'y a que 4 objectifs, donc ça va quand même ça va stacker au centre. Hein, on sent qu'on a envie de se mettre dessus. On va pas se mentir, ça va se tambouriner sur la gueule au centre de la map. Et je vous propose qu'on passe immédiatement au début de la bataille. Premier jet de dés de la partie, j'ai le dé blanc, lol, le dé noir, c'est pour savoir qui choisit son côté. C'est un 4 pour moi, oh c'est un 5, il me domine sur ce premier jet. Il va choisir son côté, poser sa première unité, on se déploie de façon alternée, je vous propose qu'on se retrouve à la fin de nos déploiements respectifs. LOL a donc décidé de se déployer de ce côté-là de la map. Je lui laisse l'honneur de nous présenter son déploiement. Donc déjà, j'ai mis en téléporteur les Alarus et en frappe aux profondeurs, grâce à leurs règles natives, une escouade de 5 Venatari. Ensuite, dans la bulle du 6 du Vexillus Magnifica, donc du moins 1 pour hit, j'ai mis sur l'objet les Custodian Guard. Juste derrière le Capi Shield, une première escouade de Venatari. Et de l'autre côté, j'ai mis le Télémon ainsi que la Caladus. La bulle de moins 1 pour être touchée, c'est aussi sur les châssis. Exactement. Okay. C'est sur tout l'Adeptus Custodes. Ok, donc voilà pour le déploiement de LOL. On va passer à celui de mon côté.
De mon côté, pour le coup, c'est pas moi qui l'ai choisi. Je me suis déployé de la façon suivante. Donc j'ai mon Malignant Plague Caster qui est ici. Et avec son aura de 7 pouces, il donne son invulnérable à 4+, au Plague Burst Crawler qui sont derrière sur l'objectif. Et au Mephitic Blight Hauler qui sont juste devant. On va retrouver un premier Rhino dans lequel on retrouve le full Blight Spawn et 9 Plague Marines. Juste à côté, juste ici, vous avez le Biologus Putrefer, le pack de 15 Plague Marines, le Prince Démon juste derrière, Ahriman en backline dans le fond de la map, et on retrouve aussi sur l'autre flanc le Rhino chargé de 9 plagues qui pour le coup n'est pas dans l'empreinte au sol du décor pour bénéficier du bloquant. On va donc immédiatement savoir qui engage le premier tour avec le G2D ultime de la V9. J'ai cet exceptionnel dé blanc et LOL a le dé noir pour savoir qui commence. C'est un 1 de mon côté. C'est un 3. C'est un 3. C'est donc LOL qui va avoir l'initiative et on pense sans doute qu'il va commencer. J'ai réfléchi mais peu sans doute. Et je vais donc commencer en essayant de prendre un peu de map et donc de voir comment va réagir Mr. Death Guard en face de moi. Ok, voici la configuration de LOL au début de son premier tour de jeu. On se retrouve à la fin de sa première phase de mouvement. Donc, phase de commandement, j'étais à 9 points de com puisque j'en avais dépensé 2 lors du déploiement pour mettre vétéran de la guerre sanglante ou de la bataille sanglante à mon chef, qui est une reroll soit de tir, soit de save, soit de dommage par tour. Donc, et j'étais à 9 et je passe à 10 avec le point de commandement donné pendant la phase de commandement. Ma phase de mouvement est finie. J'ai fait advance mon Vexilia pour que mes Venatari et l'ensemble, sauf le Télémon, je pense, aussi lié, et le Télémon, que l'ensemble de bulles de moins 1 pour hit soit conservé. J'ai fait avancer mon char pour qu'il soit avec un petit bout sur l'objet et à portée. Le Télémon est rentré dans la ruine pour être à portée des Mephitic Hauler. Et mes petits Venatari sont venus se cacher derrière l'obscurant pour être potentiellement à portée des deux objets en fonction de ce qui va se passer au tour suivant. Début de la phase de tir de LOL, je te laisse la parole. Donc je vais commencer avec le Télémon, qui est porté uniquement avec son Arachnus Cannon. Donc c'est 4 tirs à 36 pas qui va tirer sur les Mephitic Hauler. Donc 2 plus, reroll des 1, puisque je suis à moins de 6 pas de mon Shield Captain. Reroll des 1, donc tout passe. C'est force 8 en du 7, ça va être sur du 3 plus, et comme tu es un véhicule, je peux reroll. C'est cadeau. C'est cadeau. Ça tombe bien, 1 pour l'instant. 3 plus, ça en fera 3, PA moins 4, 3 dommages cash. Un vu à 4 plus, puisque je suis dans l'aura de mon affreux. La relique. Donc un vu à 4 plus. Ça tank. Voilà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt stable. On va faire tirer maintenant le Caladus qui va tirer ses deux gros canons exactement sur la même cible ainsi que son bolter speculoship, quoi. Voilà. Les deux tirs. Hop, reroll. Avec le Captain. Et bah, Castle. Force 9, 3 plus, mais reroll parce que t'es un véhicule. Ça fera une à moins 4. Un vu à 4 plus. Ça passe. C'est pas. Tout plein mal. Et les 6 tirs. Hop. Tout passe. Force 6 sur du 5. Reroll toujours avec non. Le véhicule. Non, ok. Ça fera 2 PA moins 2, un dégât. Toujours un vu à 4. Oh, dis donc. Je n'ai pas raté une seule sauvegarde pour l'instant. Bravo. Félicitations. Et c'est tout en phase de tir pour moi. Est-ce qu'il y a des charges à déclarer? Non. Ce qui veut dire qu'en gros, on arrive à la fin de ton tour, en vérité. À peu près. On arrive totalement à la fin du premier tour de LOL, qui se voulait surtout un tour de placement. Et on va passer immédiatement à mon premier tour de jeu. C'est le début de mon tour 1. Alors, j'étais à 8 points de com, je passe à 9. Au niveau de ma phase de mouvement, elle commence dans cette configuration-là. Et je vous propose qu'on se retrouve une fois que j'ai déplacé ma terrible armée des Guards. Ok, fin de ma phase de mouvement. Globalement, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai fait Advance mon Rhino qui a fait une Advance à 6. Ça va me permettre de contester l'objectif au Caligus qui, du coup, ça va, il ne mettra que 5 points de primaire, ce qui m'arrange un petit peu. Ensuite, j'ai mis mon Plague Burst en protection de mon Malignant Plague Caster dans l'optique, en fait, de le protéger d'une éventuelle FEP
Voilà, après je sais qu'il a un stratagème pour cibler des personnages, mais ça l'obligera à bouffer des points de com et potentiellement à venir frapper en profondeur dans cette zone qui ne présente aucun gros intérêt stratégique. Ensuite, ici j'ai déplacé ce Plague Burst là pour faire une zone de répulsion dans l'arrière de ma phalange un petit peu. Et après j'ai avancé ma phalange ici. Le Rhino que vous voyez au fond a Advance, donc évidemment il est content, il a Advance. Et les plagues aussi ont advent. Évidemment, à ma phase de mouvement, j'utilise le nuage de mouche pour donc le stratagème qui permet de les rendre inciblables si c'est pas l'unité la plus proche. Ça me coûte un point de com et c'est utilisé sur le pack de 15 Plague Marines. Alors en termes de phase de psy, déjà, je vais passer avec Harryman. Je vais envoyer une préscience sur le Plague Burst Crawler qui est juste là et qui va me permettre de toucher à plus 1 puisque je ne c'était que de 4 plus, ça passera à 3. Donc c'est un sort qui passe sur du 7, messieurs dames, 7. Et bien ça passe. Donc ça c'est un premier sort qui passe, plus 1 pour hit sur mon crawler. Deuxième sort de Harryman, ça va être le Warp Time qui pour le coup passe sur du 5. 6. Donc le Warp Time sur le pack de 15 plagues, eh bien ça passe aussi. Donc je vais leur faire faire par la suite un mouvement supplémentaire et il n'y aura pas d'autres sorts pour Harryman. Ensuite, le Malignant Plague Caster va passer le Miasme de Pestilence sur le Rhino. Et donc ça passe sur du 6. Ça passe tout rond, donc voilà, ça veut dire qu'il aura moins 1 pour toucher sur mon Rhino. Et ensuite, son deuxième sort, ça va être Vitalité Putréfiante, et il va la passer sur le pack de 15 plagues. Ça passe sur du 6. Eh bien, ça ne passe pas, je vais pas la relancer. Ça m'aurait donné plus 1 en force et en endurance sur les plagues, mais c'est pas très grave. Ensuite, il me reste mon prince démon qui est ici, et lui qui a la lame de putréfaction. La lame de putréfaction, elle passe sur du 5. Ok, elle passe, et évidemment, elle part sur les plagues, ce qui veut dire que les plagues au corps à corps feront des mortal wounds sur du 6 et ont plus 1 pour blesser. Voilà pour ma phase psy, globalement tout est réussi sauf la vitalité putréfiante. Et maintenant, je vais passer à ma phase de tir, alors j'ai pas grand-chose qui va tirer. J'ai mon Rhino qui est là-bas, qui va utiliser même pas besoin de ses fumigènes, puisqu'il est déjà dans un décor qui lui donne moins 1. Lui, il a déjà un moins 1 aussi pour être touché via le miasme de pestilence. Et du coup, phase de tir, en fait, je vais faire tirer mes deux Plague Burst Crawler dans ces trois gars qui gardent l'objectif, parce que si je ne m'abuse, ils ne sont plus dans l'aura du moins 1 pour être touché, donc je vais essayer d'en profiter. Et avec un peu de chance, j'arriverai à lui sortir ces trois gars-là, et ça serait vraiment cadeau, parce qu'il mettrait 0 points de primaire si ces gars-là venaient à mourir. Donc ça, c'est une première chose, et voilà, on passe immédiatement à mes tirs. Ok, première activation en phase de tir, le Plague Burst, qui va envoyer un gros tir d'obus sur nos amis, les Terminators. Je vais utiliser le stratagème qui fait que tu n'auras aucune relance. Ça coûte 2 points de co et je vais donc voir si je récupère un de ces 2 points de co sur du 5. En l'occurrence, oui, donc j'étais à 10, je passe à 8 et je reviens à 9. Un des 6 tirs, il en fait 5. C'est celui-là, celui qui n'a pas la plus. Ouais. De toute façon, alors ce qui pouvait être intéressant, c'est que c'est des armes de la peste. Alors déjà, le prince démon me donne une reroll des 1 pour toucher. Donc ça aurait été intéressant, pas sur lui, je suis pas dans l'aura, mais potentiellement sur lui. Donc ça, cette reroll-là, elle va être cassée par l'utilisation de son stratagème. Et après, surtout, en fait, c'est des armes de la peste. Donc potentiellement aussi, j'avais la full relance, puisque le prince démon est archi-contaminator, pour blesser. Mais là, du coup, il casse complètement ce séquençage-là, ce qui est très bien pour lui, pas pour moi. Du coup, celui-ci n'a pas le plus 1 pour hit de la préscience. Du coup, je vais le toucher sur du 4 plus. Il y en a une qui passe et je vais le blesser sur du 3+, c'est de la force 8. Ok, il y en a une qui passe et c'est PA-2, donc c'est sur de la 4+. Alors, est-ce que je tanque sur ma 3+, invue, sachant que si je commence à tanker dessus... T'es obligé de stacker dessus. Stacker dessus, même si je la passe. Et on va dire oui. Donc 3+, invue, non. Je vais utiliser un point de coup pour la relancer. Donc je repasse à 8. Eh ben non, décidément. Ok, D3 avec le mortier, eh ben ça fait 2 PV sur un Terminator. Je vais immédiatement activer le deuxième Plague Burst et cibler la même unité. Je suis toujours évidemment sous le contre-coup du bénéfice de son stratagème. Je fais un des 6 tirs, j'en fais un. Je touche à 3+, je touche, je blesse à 3+, je blesse. Eh ben sauvegarde à 3+, invulnérable. Eh ben décidément, il est donc mort. Ouais, et c'est beau.
J'ai donc tué le bouclier de cette unité-là avec avec mes deux tirs de plaque burst. Ce qui est intéressant, c'est que ça lui a quand même fait utiliser pas mal de points de commandement. Et ça, c'est pas négligeable. Il faut que je l'emmène à utiliser quand même des points de commandement. Voilà pour ça. En gros, pour le reste de mes tirs, après, j'ai des tirs de fuseur ici, mais qui globalement n'ont pas de ligne de vue sur cette unité-là, celle-ci et le reste de son armée. Donc pas de ligne de vue ici. Et pour le reste, on s'épargnera les tirs de bolter. Qui blesse à 6 et avec des 2 plus de sauvegarde. J'ai évidemment fait mon warp time sur le pack de plague. Alors je n'ai pas trop avancé non plus parce que globalement ça n'a pas une grande utilité. Par contre les mecs qui étaient derrière, je les ai un petit peu avancés pour éventuellement gagner en portée si jamais je devais faire des trucs un peu stylés. Voilà pour ça et c'est très bien. Donc phase de commandement, donc je prends un point de co, ce qui fait que je remonte à 9 points de co. Par contre, au niveau du score, Tourop, grâce à son petit move, sa belle advance de 6, me prend 7 points au total, puisque c'était 2 points avec objectif vital, l'objectif secondaire du scénario, et en plus 5 points de primaire, puisque je n'en ai plus qu'un, donc je ne marque plus que 5 points. Ok, voici sa configuration au début de son tour 2, on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement de LOL, je lui laisse nous présenter un petit peu ce qu'il a fait. Ma mission prioritaire, c'est de cleaner ce rhino et ce qu'il y a à l'intérieur. Le gros pack là-bas, et en particulier le fait que le plaque de plague soit sous miasme de mouche ou nuage de mouche, fait que c'est très un risque d'aller me foutre là-bas. Donc j'ai avancé, j'ai fait une translation du vecteur AB avec... jolie translation. Avec mes petits Zozio pour être à portée de tir. Mon char... Et mon télémon sont à portée de tir avec leur canon. Et mon Capi Sheffield est arrivé là au cas où pour aller charger ce qu'il y a à l'intérieur ou le finir au cac. Pareil pour eux. Et mes Alarus sont arrivés à 9 du Rhino et à 9 du Plague pour utiliser le stratagème qui leur permet de cibler directement un perso et d'aller fumer le petit garçon qui est juste là. Et idéalement sur une charge heureuse d'aller cliquer le Plague Burst Crawler et de reprendre l'objet de monsieur Tourop. Tourop. Ok, on passe immédiatement à la phase de tir. Donc je vais commencer avec le Caladus qui va tirer tout sur le Rhino. Donc ça va être d'abord ces 2 tirs. Donc sur du 3, reroll D1, ça tombe bien. Force 9 en du 7, sur du 3, reroll. PA-4, tu n'as pas de sauvegarde. Non. Et ce sera 3 dommages plus D3. Plus 3, ça fera 6 dommages, 6 résilients. Oui. Alors, je rappelle que LOL a touché à 3+, parce que j'avais le miasme dessus, hein, qui met moins 1. Donc ça, c'est les affreusement résistants grâce au point de com que j'ai claqué. Et c'est sur du 5+, je ne perds pas le PV. Bah, y en a 2, ça fait 4 points de vie de perdu sur mon magnifique Rhino de la Desguerde. Donc le bolter, toujours à 3+. Reroll D1 grâce au capitaine. Force 6 en du 7 sur du 5. Ça te fera 3 à moins 2 pour un dommage. Moins 2, j'ai donc de la save à 5 et j'ai l'affreusement résistant à 5. Ça fait 2 PV supplémentaires. Il m'en restait 6, il ne m'en reste plus que 4. Le Télémon va faire toutes ses armes dessus puisqu'il est à portée avec le Spiculus et ses 2 doubles canons. Donc déjà 4 tirs à 3+. Tout passe. Yes. Force 8 en du 7 sur du 3+, reroll puisque tu es un véhicule. 3 à PA-4, donc pas de save. Ouais. Et c'est 3 dégâts cash, donc ça t'en fait 3, 6, 9, s'il te plaît. 9 affreusement résistant pour 4 PV restants, c'est chaud. C'est chaud, je confirme. Est-ce qu'il explose? Non, je vais donc immédiatement, il y a 9 Marines dedans, je vais donc immédiatement jeter 9 dés et sur des 1, c'est des morts. Et il y en a un, il y a donc un mort. Et je vais débarquer mes Plague Marines. Du coup, les plagues débarquent, se retrouvent dans la pampa, ça peut piquer, et je repasse la main. Je vais donc faire tirer les Vénatari, je vais utiliser pour un point de co leur stratagème qui leur permet de faire double tir, donc au lieu de 10 tirs, ils vont passer à 20 tirs. Ce stratagème Fire Pattern, Supreme Fire Pattern, marche sur les pistolets et sur les armes à tir rapide. Donc est-ce que sur un 5, je regagne? Non, je ne le regagne pas. Donc ça me fera 20 tirs de plus, reroll D1. Tous les 6 font un hit auto. Donc j'ai déjà... 1 hit de plus, 2 hits de plus. Encore un petit as là.
Allez, encore un petit as. J'ai, hop, 3 hits de plus. Donc, 1, 2, 3. Et donc, force 6. En du 5 sur du 3 plus. Sur du 3 plus. Ils vont me wiper le pack, c'est ça du coup. Ah, il y a des chances. Tac, 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 tac. Et c'est PA moins 2 de dommage. Alors, PA moins 2, du coup, j'ai une save à 5. Du coup, save à 5. Alors, je vais enlever les réussites pour le coup. Ok. Et c'est 2 damage. Mmh. Donc, c'est parti. Lance une fois et si tu le réussis, tous les 5, tu peux les relancer. Exact, ouais. Donc, je lance ça une fois. Bon, ils sont tous morts. Ouais, je pense que globalement, ils sont morts large. Donc, en fait, pour vous récapituler le truc, hein, si j'avais réussi des 5, comme ça fait 2 damage, je devais les relancer pour essayer de sauver les survivants. Mais là, même au premier lancer, il n'y a pas de survivants. Donc, ils me one-shot mon pack de Plague Marines. Donc là, maintenant, je vais faire tirer les Alarus. J'ai utilisé pour 2 points de co leur stratagème qui leur permet de cibler un caractère, même si ce n'est pas la cible la plus proche, même s'ils bénéficient de la règle Lockout Sir, ce qui est le cas. Et je l'ai regagné puisque j'ai lancé 2 dés pour voir si je rattrapais un des deux et je regagne. Donc je passe à 7 points de co et je vais pouvoir les faire tirer full sur le petit pépère. Et je vais utiliser un stratagème supplémentaire qui fait que toutes les 6 à haute touche seront automatiquement des blesses auto sur le pépère. Comme il a endu 5 et que je n'ai que force 4, c'est pour être sûr de maximiser. Voilà. Tiens. Il y en a 4 qui sont à courte et 2 qui sont à longue. Voilà, donc ça va être les tirs de lance et de hache. Donc sur du 2+, pas de reroll. Et t'as déjà 3 blesses auto. Hop. Et cela, ce sera donc sur du 5. Tu en auras une de plus, donc 4 déjà à PA moins 1 de dommage. Donc j'ai une save de 3 qui passe à 4, c'est parti. J'en rate 3, c'est 2 flats. Hein. Oui. Ça me fait donc 6 affreusement résistants sur du 5. Ah, j'en save 3, il lui reste un PV, oh monsieur, il lui reste un PV, il va donc prendre ses lance-grenades. Il y a 4 lance-grenades qui étaient apportées, donc qui partent dans lui et les autres qui partent dans le châssis. Hein. Donc 4 des 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Donc toujours pareil, sur U2+, les 6 sont des blesses auto. Pas de blesses auto. Et tout passe. Et ce sera sur du 5. Et bah ça t'en fait une PA moins 3. Save à 6. Non, un dommage. Affreusement résistant à 5. Allez, 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 allez. Oh non. Je peux même pas le relancer, l'affreusement résistant, je crois. Non, c'est pas une save. Ok, et bien, donc il meurt lamentablement à un PV près. Je perds donc mon Malignant Plague Caster, ce qui me soustrait de mes 2 sorts, Miasme et Vitalité Putréfiante. J'ai gardé en dernier le petit Shield Captain qui est apporté avec son lanceur de salve qui va faire un tir sur le Plague Crawler. Ça passe. Oh, ça touche bien. Hein. Ouais, ça touche bien. Endu 8, force 8, 4 plus, mais reroll parce que tu es un véhicule. Véhicule. Eh ben non, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Voilà. C'était pas le jet le plus important du tour. Non, on est d'accord. Donc nous passons en phase de charge, et phase de charge pour le moins importante des petits Alarus se charge à 9 sur le Plague Burst Crawler. Eh ben 9. Eh ben ça charge du coup. Ça pue la loose quand même. J'ai pile-in de telle manière avec ce petit garçon à bloquer, si jamais je n'arrive pas à finir le Plague Burst Crawler, à bloquer le mouvement. Tu finiras pas. Je vais commencer donc par les haches. Oui, monsieur. Donc il y a 3 haches, donc ça fait 12 attaques. Je ferai après les lances. Et en dernier, les Misericordia. Ouh là 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 là, ça fait beaucoup d'attaques. Oui, ça, ouais. 2 plus. Hop. Et c'est force 8. C'est sur du 4 du coup. On du 8 sur du 4. Et tu me feras. Ouh. Tout ça perd moins 2 des 3 dommages. Du coup, j'ai invulnérable. À 5 plus, j'en réussis une. Donc D3. D3, et après affreusement résistant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Affreusement résistant à 5 plus. J'en sauve 4 sur 13, je perds donc 9 PV. Il me reste donc 3 PV. Maintenant, c'est les lances de gardien pour les 3 derniers. Donc, hop, sur du 2 plus. Force 6, en du 8, sur du 5 plus. 1, 2, 3, PA moins 3, donc sur du 6, des 3 dommages. Un vu à 5, allez, faut tanker mon grand. Oui, ça tanque lourd. Il est chaud, des 3 dommages, 1, 2, 3, 4, 5, 5 s'il te plaît. 5 pour 3 PV.
Allez, Feel No Pain à 5. Bon, eh ben, il est mort et je pense que je vais utiliser, si je ne m'abuse, un petit stratagème qui me permet de le faire exploser automatiquement. Et donc pour un PC, je vais le faire péter auto et du coup, les Alarus vont prendre des 3 mortels dans leur mouillasse. C'était logique. Et ça, ton méphilique. Ça fait 1. Et il y a mon méphilique qui est dedans aussi. Oui. C'est ça. Désolé. Oui, c'est pas grave. Deux insensibles. Une. Et donc je perds un PV sur mon méphilique. Fin du tour 2 de LOL. Je te laisse récapituler un petit peu. Bah donc j'ai fait ce que je voulais. Ça veut dire j'ai dégagé le Rhino et j'ai repris l'objet avec pas mal d'unités, dont des super OP. J'ai fait ma charge miraculeuse qui a permis de reprendre l'objet, de fumer le burst, ouais, le crawler. Burst, ouais. Idéalement, rester dedans aurait été pas mal plugué. Là après, en menace, j'ai surtout le prince démon, potentiellement un fétide, mais les grenades sont trop loin, même avec un warp time. Donc je vais sûrement conserver. Je vois mal le prince démon fumer les 6 Alarus. Je vais sûrement conserver celui-là, en tout cas. Je risque de le voler à Tourop. En tout cas, je lui enlève sur ce tour-là, ce qui est plutôt pas mal, puisqu'il marquera que 5 points, je lui rends l'appareil. Ok, donc début de mon tour 2, j'ai pris quand même une phase assez létale, on va pas se mentir. Il m'a bien lavé sur les objectifs sur lesquels j'étais posé. Ce qui se passe, c'est que je vais regagner un point de com déjà, donc c'est pas mal. J'étais à 8. Je passe à 9 et je mets 5 points de primaire plus 2 points parce que je tiens un des objectifs centraux. Donc ça fait que je commence à 7 points un peu au début de mon tour 2. Et voilà comment je suis au niveau de ma phase, début de ma phase de mouvement. Et maintenant, il va falloir que je trouve des solutions pour récupérer mon objectif. Donc fin de phase de mouvement de mon tour 2, globalement j'ai fait bouger les châssis qui sont ici, j'ai reculé le plaque burst scroller pour venir se coller un petit peu à cette ruine là, parce qu'il y a des possibilités que LOL vienne en FEP ici avec les Venatari, et en fait j'ai utilisé un point de com pour passer le nuage de mouche sur mon gros pack de plagues, donc je veux qu'il reste potentiellement inciblable encore autour d'eux. Voilà pour ça, et j'ai avancé mes persos ici pour venir passer du smite, des sorts, faire tout ce qui va bien. D'ailleurs je vais passer immédiatement à ma phase de psy et je vais commencer par avec mon prince démon, avec Ahriman, à pas envoyer Desex déjà sur les Alarus. Donc Desex, c'est un sort qui annule l'invulnérable, donc ce qui est plutôt pas mal sur un pack aussi tanky que celui-là qui a une invulnérable à 4+. Donc voilà. C'est parti, Desex passe sur du 8, Ahriman cast à plus 1, donc ça passe sur du 7. Ben écoutez, ça ne passe pas, je vais utiliser un point de commandement et je vais relancer ça. Ok, il passe sur du 7. Donc ça passe à 8, du coup le sort passe. Je vais utiliser un stratagème pour un point de co qui fait que sur un 4+, je vais annuler puisque tu prends pour cible une unité. Oui. Alarus, enfin une unité custodienne. Ça passe pas, il est annulé. Ok, donc il annule mon sort avec Ahriman. Du coup, Ahriman va envoyer un Warp Time sur les Mephitic Blight Hauler pour les faire rebouger. Et le Warp Time passe lui sur du 6. Donc lui il passe, je vais donc faire une phase de mouvement supplémentaire avec les Blightholler, bah ni plus ni moins que pour venir me foutre en ligne de vue, me mettre en ligne de vue des Custodes. Ok, j'ai donc effectué mon Warp Time avec les Méphitiques, et maintenant, dernier sort, c'est Préscience. J'ai le choix entre soit faire une Préscience, soit faire de la Mortale. En vérité, je vous l'assure, je vais plutôt faire de la mortale d'ailleurs. J'ai décidé plutôt de jeter un smite au lieu de jeter préscience sur les méphitiques. Je vais donc jeter mon premier smite de la partie, qui passe tout rond à 5. Lance. Ça fait donc des 3 mortal wound pour eux. Ça en fait 3. Que j'annule sur un 6+. Oui. 3 qui passent, 1 mort. Yes, il y a un mort puisque j'avais déjà enlevé un PV à l'explosion. C'était lui. Donc voilà. Ça c'est cool. Ensuite, mon prince démon va se jeter sur lui-même la lame de putréfaction. J'ai déjà utilisé ma relance sur la phase de commande, sur la phase de psy, donc je me fais un joli péril et je prends dans ma tronche 3 mortales, c'est plutôt pas mal, et Feel No Pain à 5. Donc je perds un PV sur mon prince démon grâce à sa magnifique lame de putréfaction. Ok, donc fin de ma phase de magie. Pour ma phase de tir, globalement, je vais avoir rien qui va tirer là-bas. Le plaque burst ici va envoyer son mortier dans les Terminator Guardian But
ici. Et ensuite, leur canon entropie dans les ailes russes. Et ensuite, bah, tous mes tirs ici vont partir aussi dans les ailes russes. Le but, c'est ils doivent pas rester là. Hein. Ces gens-là me gênent énormément. Ils sont en P++, ils me volent l'objectif. C'est cruel comme châtiment quand même. Donc c'est parti pour la phase de tir. J'attaque avec le Plague Burst Crawler. Et LOL va utiliser deux points de commandement pour que je n'ai pas de reroll, si j'ai bien suivi, et deux points de commandement pour la physiologie transhumaine. Donc ça veut dire que je ne vais le blesser que sur du 4. Alors l'obusier du Plague Burst qui fait 5 touches. Alors il faut savoir que cette fois-ci il est dans l'aura de sa bannière, donc je ne vais le toucher que sur du 5. Et ben c'est pas mal, ça en fait 3 qui touchent. Force 7, je vais donc le blesser sur du 3+. Eh ben écoute, c'est pas mal. Il a des save à 4. Ça tank. Et c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai les canons entropie. Il y en a 2. Là, je vais le toucher sur du 4. Ok. Le canon entropie et force 8. Mais tu me blesses sur du 4 avec la transhumaine. Force 8, mais de toute façon, physiologie transhumaine, je ne blesse que sur du 4. Bon, c'est plutôt pas mal. Un vu à 4. Oui. Les deux tanks. Les deux tanks, ok. Et maintenant, les mythiques. Donc, il y a 3 tirs de fuseur qui touchent à 3+, puisqu'ils sont contents. J'ai pas de relance, donc voilà. Et je le blesse sur du 4. Ok, rien du tout. Et ensuite, il y a les 3 lance-missiles. Ça touche. Est-ce que ça blesse sur du 4? Oui, ça blesse sur du 4. Tu en as 2. Va-t-il rater les invus? Et il rate les 2. Ok, donc premier décis damage. Allez, 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 allez. Ah, je vais utiliser un point de com et je vais le relancer. Il faut que j'arrive à en sniper un. C'est sur du 4+. Allez, 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 allez. Oui. Et un Alarus demeure. Et le deuxième. Allez, 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 allez. Oui. Un deuxième Alarus demeure. Les Mifitiques ont fait le café. Ils m'ont enlevé 2 Alarus. C'est génial, exceptionnel. Fin de ma phase de tir. Du coup, j'ai réussi à enlever 3 Alarus. C'est pas mal, en vrai. Du coup, je vais immédiatement, j'ai plus d'autres tirs hein, sur la map, puisqu'après tout le reste de son armée est soit hors de ligne de vue, soit hors de portée. Et je vais donc immédiatement m'activer à le charger. Globalement, je vais faire charger en premier mes méphitiques. C'est une petite charge, mais néanmoins qu'il ne faut pas rater. Est-ce que tu veux faire un tir de contre-charge? Petite charge à 4, et non, je ne fais pas de tir de contre-charge. Allez, charge à 4 pour les méphitiques. Eh ben écoute, ça fait 6. Je l'ai fait charger et après je fais le reste. Ok, ensuite je vais faire charger le prince démon avec une charge à 3. Pas de doublasse, s'il vous plaît. Pile poil, hein. Cocotte, hein. La charge à 3, au moins elle est faite. Ça veut dire que logiquement, c'est pas Ariman qui la fera. Et ensuite, la charge à 6 d'Ariman. Allez, on y croit pour Harry. Pile. Eh ben, charge à 3, 3. Charge à 6, 6. C'est génial. Allez, je fais charger Harry et on va attaquer la phase de bagarre. Ok, je vais donc activer en premier mes mythiques, le but étant au piline de venir me réorganiser un petit peu pour protéger mes persos. Donc je vais faire mon mouvement de piline et je vais balancer mes 12 attaques. LOL va immédiatement et à mon plus grand désespoir utiliser un point de commandement, son dernier point de commandement, pour faire quoi? Pour annuler la PA -1 et -2, ça tombe bien, j'ai que ça. Donc en gros, je vais taper 100 PA sur des mecs qui ont une de plus de sauvegarde. C'est ambitieux du coup, ça devient ambitieux. J'avais complètement oublié ce stratagème. En revanche, eux vont taper, ils vont toucher à 3+, puisqu'ils sont 3 dans l'unité. Je suis dans l'aura de mon boss, donc je vais relancer les 1. Et ensuite, je vais le blesser sur du 3+, relançable puisque c'est des armes de la peste. Et je suis dans l'aura de mon patron. Allez, c'est parti. On est sur du 3, relance des as. Il y a un petit as ici. Et ensuite, j'ai de la force 6. Je le blesse sur du 3+, relançable. C'est beau. Donc, 2+. Je prends un PEV. Il passe à plus que 1 PV. Ce troll, c'est inadmissible. Ensuite, je vais activer Ariman. Il a 4 attaques plus une en charge puisqu'il est hérétique Astartes. Il touche sur du 2, je n'ai pas de relance. Ok, il y en a 4 qui passent. J'ai force plus 2, force 6 sur dans du 5. Je le blesse donc à 3+. Il y en a 3 qui passent. Il annule toujours ma PA.
Tout tank. Ok. Et donc il me reste plus que le prince démon qui va taper. Lui il a les serres, donc en gros il va avoir cette attaque plus une pour l'hérétique Astartes. Lui il va toucher sur du 2 relançable puisque il est lui-même un démon. Et ensuite il va blesser sur du 3. Voilà, c'est tout. Ok. Je tank, sauf un. Il est mort. Piou. Il en reste deux. Ok. Il en reste deux. Du coup, ça va être à eux de taper. LOL me rend l'appareil. Il tape avec un gars sur Ahriman. Donc, les quatre attaques de H à 2+. Force 8 en du 4. Oui. Sur du 2. Tu en as 2 PA. Moins 2. D3 dommages. Allez, il a vu à 4 d'Ari. Bravo. Ok, il est bon sur la miséricordia. Ça touche, ça blesse. PA-2, un dommage. Ça tank. Ah oui, content. Les 4 sur le prince démon. Tout passe. Force oui. 8 en du 7 oui. sur du 3. Tout passe. PA. Moins 2. Des 3 dommages. Ça y va 5 du coup. Il y en a une qui passe. Des 3 dommages. Ce sera 1. Un feel no pain à 5. Bravo. La miséricordia. Oui. Qui passe sur du 5. Non, ça touche pas. Ok, c'est la lose. On va arriver en vérité à la fin de la phase de combat. Phase morale, ils ont perdu 4 mecs. Donc potentiellement... c'est bon. Voilà, ils sont contents d'être heureux. Et je finis mon tour là-dessus et ça augure rien de bon de manière assez globale. On va passer au tour 3 de LOL. Donc phase de commandement, je prends un point de commandement, j'en avais zéro, faut dire j'en ai beaucoup claqué à ce tour-là, mais ça valait la peine, ouais. Puisque ça me permet de marquer 15 points en primaire, puisque j'ai 3 objets et plus que Monsieur Tourop grâce à mes super OP à la russe. Je marque 5 points de terrain vital avec 2 au milieu et 3 dans son objet, et je vais faire ma phase de mouvement. Ok, donc vous voyez sa configuration, ici les Alarus sont au corps à corps. Le bloc opératoire est juste là et tonton le télémon à l'arrière, on se retrouve à la fin de sa phase de move. Donc fin de phase de move, j'avais pas vraiment trop le choix, j'étais obligé de désengager mes deux Alarus qui passaient pile poil entre les deux qui seront plus de 1 et hors d'intervention héroïque des deux pépères là. Le but c'était que de rendre tout ça ciblable potentiel. Donc j'ai fait avancer mon Caladus qui reste sur l'objet, mon Vexilla qui permet d'avoir la bulle de moins 1 pour les deux, le télémon qui a avancé aussi mais qui est à portée. Les Vénatari qui étaient déjà sur table, qui ont avancé. Et les 5 Vénatari, puisque nous sommes tour 3, il fallait absolument qu'ils rentrent, qui sont arrivés là pour, pareil, être en portée de tir d'Héméphilique, d'Ahriman et du Prince Démon, selon comment ça va se passer. Et mon Capi est foncé plein le bal pour être en distance de charge potentielle de ce qui restera, en espérant qu'il ne reste pas grand-chose. Et on attaque ta phase de psy. Phase de tir... On va commencer avec les gros tirs, ça veut dire le Télémon, le Caladus, le lanceur de salve, qui vont tirer sur l'Héméphilique, tout ce qui est anti-véhicule, en espérant qu'il me reste suffisamment, enfin que j'en ai tué suffisamment pour que potentiellement le plus proche soit celui-là, de ceux-là, ou que je les ai quasiment fumés, et de telle manière à pouvoir tirer sur les persos. Ok, globalement vous avez vu en termes de stats ce que ça donnait pour les tirs de toutes ces unités anti-char, sachant que là en plus j'ai plus la 4+ invulnérable, je vous propose qu'on se retrouve une fois que ces véhicules ont tiré sur les méphitiques, voir ce que ça donne une fois que la poussière retombe. Les armes anti-char ont tiré, il m'a donc enlevé le Méphitique qui était un petit peu usé, là, qui avait déjà perdu un PV, et il m'a enlevé 4 PV sur celui-ci, il lui en reste donc 4. Et voilà pour les tirs anti-char, on passe à la suite. Voilà, je vais faire tirer eux, puisque eux de toute manière, même si j'arrivais à fumer celui-là, ça resterait celui-là le plus proche, en espérant qu'ils arrivent à l'ouvrir. Comme ça, ça permettrait potentiellement à ceux-là, si jamais celui-là disparaît, d'avoir celui-là en plus proche, mais peut-être que un ou deux pourront, mais je suis pas sûr, et on restera la charge derrière. Ok, on se retrouve une fois que la poussière des Vénétari est retombée.
Ok, donc LOL m'enlève mais le méphitique qui était déjà entamé et l'autre, à savoir qu'il a utilisé son dernier point de com pour faire shooter une unité deux fois. Donc là en gros je me retrouve découvert et du coup il va pouvoir activer une charge avec le patron qui va charger sur Ahriman. C'est une charge à 10 et c'est une charge que tu relances grâce à ton trait de seigneur ou ma relique en fait, la moto dorée. La moto dorée qui brille. Donc charge à 10, non, et reroll. Oui. C'est une charge réussie. Tac. C'est parti pour les taquets du capitaine. Donc 5 attaques plus la mienne Zirecordia. 2 reroll, tout passe. Hop, ça va être force 6 en du 4 sur du 3 reroll, oui. Puisque j'ai chargé. Hop, et là, ça va être sur du 3 aussi. Et donc tu as tout ça à PA-3. Des 3 dommages, et ça, PA-2, un dommage. Ok, ça c'est de l'invu à 4. Allez mon petit Harry, c'est l'heure. Deux qui passent. Il y en a deux qui passent. Et celle-ci. Donc ça, c'est un dommage. Ok, un damage. Et celle-ci, c'est. 2d3. 2d3. Ça fera. Ça fait 5, ça fait 6. Et donc, Ahriman est mort. Donc, fin du tour de LOL là-dessus. Il met 3 points pour l'assassinat. Et je reprends la main pour mon tour 3. Ok, donc début de mon tour 3, j'étais à 7 points de commandement, je repasse à 8, je mets uniquement 5 points de primaire puisque je tiens un objectif, qui est un objectif qui me rapporte 2 points, donc en gros ça me fait marquer 7 points. Globalement, c'est très très mal engagé parce que là il m'a complètement délogé de cette partie-là. En plus, j'ai perdu Ahriman, donc je perds mon War Time, la capacité d'être plus mobile. Je perds aussi mon Death Ex qui potentiellement allait me rendre plus létal. Donc il va falloir que je me cache en gros et que j'essaye de pas trop perdre de points. Mais globalement, c'est très très mal engagé, donc on va essayer de surfer et puis de mettre ce qu'on peut mettre en points, ce qui est possible ou pas. On se retrouve. Donc, voyez ma phase de mouvement telle qu'elle est. J'ai toujours mon bloc de plague qui est ici avec un rhino. J'ai le plague burst qui est là et j'ai mon prince démon qui est ici. Et en gros, on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Ok, fin de ma phase de mouvement. J'ai donc encore utilisé un point de com pour mettre le miasme sur mon pack de casse plague. J'ai ramené mon crawler pour faire barrage pour protéger mon prince démon qui s'est enfui de cette zone parce que ça sent un peu trop la poudre par là. Donc voilà pour ça. Et ensuite là-bas j'ai fait advance mon rhino qui a fait encore une fois une jolie advance à 5 et qui a réussi à jeter ses fesses sur l'arrière de l'objectif. Du coup je vais utiliser aussi le fumigène sur lui, donc pour avoir -1 pour être touché. Et donc voilà, on passe immédiatement à ma phase de corps à corps qui va consister à jeter la lame de putréfaction sur nos amis les plagues Marines. C'est un 5 et ça passe sur du 6, donc ça ne passe pas. Et concrètement, je vais utiliser un point de com parce que j'en ai encore beaucoup pour le relancer. Ça ne passe encore moins. Voilà, c'était une relance bien utile. En gros, je vais attaquer ma phase de tir, j'ai pas grand chose à faire. Je vais faire tirer l'obusier dans les deux mecs du fond. Voilà, et après les canons entropies vont partir dans les deux Alarus qui sont là. Et voilà, je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ma phase de tir. Fin de ma phase de tir, le Plague Burst a été plutôt efficace, bien que j'ai raté un petit thermique, que c'était dommage. Il a perdu 2 PV, hein. Il lui en reste 1. Et du coup, ici j'ai réussi à enlever 1 à la ruf. Voilà. Et donc on est pas mal, ce qui fait que j'arrive à la fin de mon tour dans cette configuration là et je repasse la main à LOL. Début du tour 4, phase de commandement, donc je reprends un point de co, ça me met à un point de co. Et je marque 20 points, puisque je marque 15 points en primaire, j'ai 3 objets plus que tour op. Et je marque 5 points pour terrain vital, puisque j'ai celui du milieu à 2 points et celui de l'adversaire à 3 points. On voit sa configuration ici au début de sa phase de mouvement. On se retrouve à la fin. Donc j'ai pris le parti de laisser un peu mon objet, même si je sais que j'ai 9 plagues qui vont potentiellement sortir avec un false plague spawn. J'ai quand même amené mon télémonte histoire de pouvoir l'ouvrir potentiellement. Mon Caladus s'est légèrement avancé, le Vexilla est venu sur l'objet pour le sécuriser avec le Caladus. Et mes petits pigeons se sont mis là, plus le Capi pour saturer le plague burst. Et mon Capi, avec son lanceur de salve, va aussi tirer sur le Plague Burst et après, potentiellement, se mettre dans l'angle pour cliquer le Plague Burst et
tuer, enfin en tout cas charger le prince démon. Voilà, et mon petit Alarus solitaire est allé conserver l'objet dans le camp de Tourop. Il est bien ce gars, oui, il est bien. Il va finir chez le capitaine lui, je pense. Ou dans un Dreadnought. dans le Télémon. ok, on passe immédiatement à la phase de tir. Ouais. Jojo, le Télémon, va envoyer toute sa haine sur le Rhino. Donc il a les fumigènes, donc ça fera du 3+, pas de reroll. Tout passe. Force 8 en du 7 sur du 3+, reroll puisque tu es un véhicule. Et ça te fait 12 PV. Donc 12 affreusement résistant puisque c'est PA-4. Oui, monsieur. Ça fait 12 affreusement résistant, messieurs, dames. Il en sauve 5. Il lui reste donc 3 PV au monsieur. Et tu as après... Le spéculoos, comme avec le café. Oui, c'est tout pareil. 5 tirs sur du 3, pas de reroll. Force 5 en du 7 sur du 5. 2 PA-1, un dommage. Du coup, c'est de la save à 4+. Ok, et c'est du Feel No Pain à 5. Je repère un PV, il lui reste donc un PV à ce Rhino. Cet énorme châssis va tirer sur mon énorme plaque burst. C'est parti. De plus, les deux passent. Force 9 en du 7, 8 sur du 3+, reroll puisque tu es un véhicule. PA-4. Allez, un vu à 5, on est comme ça nous. Il y en a une qui passe. Donc ça te fera 3 dommages plus 1 des 3. Plus 1, ça t'en fera 4 au total. Ça me fait 4 affreusement résistants. Ça fait que je perds 3 PV sur mon Plague Burst Crawler. On fait les 6 tirs de Bolter, Bolstrom, je sais plus quoi. Force 6, en du 8 sur du 5. Tu en as 0. C'était pas mal. La grosse roquette du Capi. Oui, la grosse roquette du Capi. Qui touche. Okay. Force 8 en du 8 sur du 4, mais reroll puisque tu es un véhicule. PA-4, D6. A vu à 5. D6. D6. Sera splendide de 1. Fino Pain à 5. Un enchaînement de 1. Encore jamais vu à l'heure actuelle. Je perds donc un PV supplémentaire sur mon Plague Burst. C'est son premier en fait. Le Calidus, il en a enlevé 3. Ouais, 3 sur 4. Donc ça fait, il a perdu 4 PV au total. Maintenant, je vais faire tirer les petits pigeons. Et je pense que je vais utiliser mon dernier point de co pour rigoler, pour faire doubler une tir, donc ça va faire 30 tirs. Tu trouves ça rigolo, toi ? Moi, très. Ouais, très bien. Ok, on se retrouve une fois que les trucs rigolos vont tirer. Ok, donc avec les 30 tirs de Piu-Piu, il m'a enlevé 9 PV sur le Plague Burst, qui est pas déconnant du tout, et on va passer immédiatement à la phase de charge, si je ne m'abuse. Exactement, puisque mon Capi Shield va faire une charge multiple, puisqu'il va charger le Prince Démon et le Plague Buster. Donc, charge à 4, il roll. Bon, large. Charge validée donc pour le Shield Captain, c'est parti pour les taquer. Donc je vais tout mettre, je vais essayer de pas être trop gourmand, même s'il reste que 3 PEV au Plague Buster, au Plague Crawler. Je vais tout mettre sur le Prince Démon, donc ça veut dire 5 attaques plus la Miséricordia. Full, hop, et ça va être sur du... en du 6, 7 ? En du 7, s'il vous plaît. Donc ça va être sur du 5 plus reroll. Parce que t'as chargé. Exactement, 2 pour l'instant. Hop, reroll. Ça en fera 3 au total. La Miséricordia. Oui. 2 plus et 5 plus. Pas de reroll. Rien. 3. Ok, ça nous fait 3 invulnérables à 5. J'en réussis aucune. C'est D3 damage. D3 dommage. Je vais utiliser un point de com pour essayer de relancer celle-là. Non. D3 dommage. D3. Et je vais utiliser 1, 2, 3, 4. T'as plus de points de com. Si, il a une reroll gratis, lui, en fait. Ah oui. Moi, si toi, je rerollerais celui-là. Ouais, si j'hésite. Allez, donc là, ça fait 5. Et ben voilà, ça m'a prendre 6. Tu le méritais. Ouais, j'aurais dû le reroll sur une touche, sur une blesse, en fait. Ça fait 6, Feel No Pain, tu le dureras pas. Déjà, ça, c'est une bonne chose, puisqu'il lui reste 7 PV. Et affreusement résistant sur du 5. Oh, joli. J'en réussis 3, il perd donc 3 PV. Il en passe à 4. Et il passe à 4 et il va te rendre immédiatement l'appareil. Vas-y, fais-toi zizir. L'animal a donc 8 attaques qui touchent sur du 2 relançable parce qu'il est lui-même, après tout, c'est pas rien. Ok, et après il va te blesser sur du 3+. Et voilà. 5 à vue à 3. Yes, et Feel No Pain derrière. 5 à vue à 3, j'en ai 2 qui loupent. Ça fait 4 Feel No Pain. 4 Feel No Pain à 5. 3 PEV, il passe à 4. Il y aura donc 4 points de vie et on arrive à la fin du tour de LOL. Fin du tour de LOL, il finit donc au cœur à cœur, il finit tout à fait content d'être heureux.
des menaces, partout des menaces. Il remet une domination à 3 points à la fin de son tour. Et donc il me laisse la main, une main qui n'est pas très glorieuse de mon côté. Ok, début de mon tour 4. Je mets dans le plus grand des calmes 7 points. 5 points de primaire et 2 points pour cet objectif-là que je vais réussir à tenir toute la partie. Ce qui est quand même assez glorieux, je l'admets, d'avoir tenu cet objectif-là si longtemps. Je suis très content. Globalement, voilà comment je suis. Un petit peu bloqué dans le corps à corps. Néanmoins, on va essayer de lancer des grenades. Voilà, on va voir ce que ça donne. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement. Globalement, je me suis désengagé ici avec mon châssis, avec le prince démon aussi qui retournait se cacher et puis voilà. Alors j'avais le choix, en vérité j'avais pas beaucoup de choix parce que LOL s'était positionné judicieusement avec ses petits oiseaux, ce qui fait que je pouvais pas avancer mes plagues pour utiliser les grenades et ça me veut, ou alors j'aurais jeté une grenade et après c'était une charge à 12. Ça n'avait aucun intérêt d'aucune sorte. Voilà, en l'occurrence là-bas je suis sorti. Là-bas, je suis sorti de mon rhino pour essayer de faire des trucs un peu stylés sur la fin de partie, essayer de pas mourir dans le déshonneur. Et on passe immédiatement à ma phase de tir qui va consister à utiliser 2 points de commandement pour jeter 10 grenades. Et puis pour faire de la mortelle, il va se faire atomiser à la mortelle, hein, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Et puis après, ici, on fera de la charge d'opportunité. Et un peu de positionnement, et je vous propose qu'on se retrouve pour le jeter de grenade. Allez, phase de psy, je vais jeter la lame de putréfaction sur nos amis. Ok, ça passe, c'est cool. Et ensuite, je vais utiliser un point de commandement pour passer vétéran de la longue guerre, et donc blessé à plus 1. Et je vais utiliser un point de commandement pour jeter toutes mes grenades. Et je vais donc saturer cette espèce de saligo qui est juste là. Voilà, ça va faire mal. Je fais donc 10 des 6 pour un total de 24, 30, 35, 35, 39, 39 et 6, ça fait 45. Ça fait 45 touches de grenade à faire. Je touche quand même, il faut toucher au bout d'un moment. Ok, donc là j'ai 25 dés pour la première salve, je le touche sur du 3, je relance les as parce que j'ai Jojo l'artichaut qui est juste derrière, à savoir mon prince démon. Ok, tac, ça c'est la relance. Et ensuite j'enlève les échecs. Ok, donc maintenant je vais le blesser, les grenades passent force 4 et damage 2, donc les grenades le blessent normalement sur du 5, j'ai plus 1 pour blesser grâce au vétéran de la longue guerre, du coup je le blesse sur du 4, les 5 et des 6 font des blessures mortelles, ça se transforme en arme de la peste et j'ai l'archi-contaminator, donc je relance tout. Donc c'est sur du 4, relançable. En vérité, regardez, si on fait un calcul assez simple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a déjà 7 mortels, sans la relance et sur la première salve. Voilà, bon, c'est déjà la folie, juste ça, c'est de la mortelle du Feel No Pain à 5. On va voir s'il survit. Ça me paraît tendu. Ça me paraît gourmand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, et globalement, on le savait. Il est mort. C'était oui. Overkill, c'est pas forcément la meilleure cible, mais c'est la seule que j'avais. Il fallait bien que j'utilise ce stratagème, nom de Dieu. Ok, ensuite, il y a le Full Blight Spawn qui va tirer sur le Télémon. Évidemment, j'utilise un point de com pour stabiliser ses jets. Donc le Full Bite Spawn, il fait des 6 tirs de touche auto de son méga lance-flamme. Il faut savoir qu'avec un point de com, je peux jeter 2 dés et garder le meilleur. Je vais donc garder le 5. Je fais donc 5 tirs et je tire à force 2 dés 6. Donc je jette 3 dés grâce au stratagème et je garde les meilleurs. Génial, c'est force 6. Je peux pas relancer ça. Non, je peux pas relancer. Donc j'ai force 6 et je fais 5 touches auto. Je vais donc le blesser sur du 5 plus. Écoute, ça en fait une. Ça m'attriste grandement. 4 plus 1 vu. Non, cassé. Non, et c'est 3 PEV. C'est 3 flat, ouais, t'as raison. Field open à 6. J'en perds 2, je passe à 12. Waouh!
Et ensuite, bah, je vais déclarer ma charge. L'idée, en fait, c'est que je vais charger sur lui et je vais, en fait, je vais essayer de me graber là-dedans. Je vais le mettre qu'un mec au contact pour être sûr de pas le tuer, enfin espérer ne pas le tuer. Et puis, bah, je vais l'entourer, voilà, pour ne pas me faire tirer dessus par le par Jojo le Télémon. Et donc, j'ai validé ma charge. J'ai mis globalement une figurine qui est celle-ci à un demi-pouce de lui et les autres, je les éloigne à la fois plus d'un demi-pouce ici et à plus d'un pouce pour avoir qu'un mec qui tape. Je veux pas le tuer, évidemment. J'ai deux attaques qui vont toucher sur du 3+, qui vont blesser sur du 5+. Reroll D1 pour l'arme de la peste. Ça ne fait rien. Je vais donc ensuite me graber sur Jojo qui est juste là. La réponse de Jojo, le teneur d'objectif. 3 attaques à 2+. Force 6 en du 5 sur du 3. Ça t'en fait 2 PA moins 3. Save à 6. Et des 3 dommages à chaque fois. La première cassée. La première, ce sera 1. Et la deuxième, ce sera 1. Affreusement résistant, 1 mort. Affreusement résistant, 2 morts. Je perds 2 gars sur la manœuvre. Je finis donc mon tour 4 là-dessus. Et je laisse la main pour le 5e et dernier tour de LOL. Donc dernier tour, déjà je marque 10 points puisque j'ai 2 objets, pas 15 puisqu'on en a exactement le même nombre avec Tourop. Et je marque 5 points de terrain vital puisque j'ai celui du milieu à 2 points et celui de la zone de déploiement de Tourop à 3 points. Donc là clairement, bah, je vais essayer de fumer cette figurine parce qu'elle vaut 5 points chez Tourop. Le prince démon ça va être compliqué sur ce tour là, donc je vais essayer de pas me mettre un risque. Ici je vais charger histoire 2 entre mon petit gars et lui, peut-être que potentiellement je peux fumer 2-3 mecs et c'est à peu près tout. Les tirs vont partir dans les garçons là et dans le Plague Buster. Fin de phase de mouvement, LOL, je te laisse commenter. Ça a été assez simple en fait. J'ai positionné, j'ai juste changé un peu ça pour qu'il soit à portée de tir et en visu du Plague Burst Crawler. Les garçons sont montés pour être en prise d'objet et à portée de tir. De ça, si j'arrive à fumer le Plague Burst Crawler, au pire, j'utiliserai une des deux unités pour essayer de le finir. Il lui reste 3 PEV. Et en dernier lieu, si vraiment ça marche pas, mon Castellan ira le charger. Sachant que je conserverai l'objet avec les petits oiseaux. Ici, bah, c'est simple, on va tout mettre dans le rhino et on va charger. On est resté statique, donc on a double tir. Puisque j'ai pas vraiment le choix, je pouvais pas m'avancer. Il resterait de toute manière inciblable, puisque eux sont la unité la plus proche. Donc le Télémon va shooter dans le rhino et le reste va essayer d'enlever le Plague Burst le plus rapidement possible. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de la phase de tir de LOL. LOL a fini de tirer, il enlève le rhino ici assez aisément, il enlève le Plague Burst aussi et il enlève les 15 Marines grâce au double tir sur les Venetari, enfin il y a un pack de Venetari plus, enfin 30 tirs de Venetari du coup. Il enlève donc les 15 plaques qui étaient là, il finit sa phase de tir. Fait notable, le rhino a explosé. Ah oui. Le rhino explose, enlève donc le Custodes Guard qui était là, il m'a enlevé 2 PV sur le... Sur le Blightspawn, et donc maintenant ça va être la charge du Télémon. Du Télémon, charge à 2, inratable, elle est à 8. Et donc, lui il a une petite capacité qui dit que tu tapes en dernier, donc en gros, c'est à 7 pas, t'es large. Je vais taper en premier, mais en gros, ça va être des attaques à force 4 sur de l'endu 8 et de la save à 2, ça ne va rien faire. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à la fin du combat. Le Télémon a mis ses coups de pied dans les plagues, a enlevé 2 plagues. Et en gros, fin de la partie côté Custodes. Il met pas de points supplémentaires, il a pas la domination puisque je tiens 2 objectifs. Et il a déjà mis 15 points sur le terrain vital. Et il peut pas tuer de personnages supplémentaires. Et donc on passe sur mon 5e et dernier tour. Ok, donc début de mon tour 5, je récupère 1 point de com, je vais mettre 10 points de primaire puisque j'ai 2 objectifs, je vais mettre 5 points sur terrain vital puisque j'ai l'objectif dans sa zone et j'ai celui-là que j'ai pas lâché de la partie, et globalement en fait je vais rien pouvoir faire de plus où il y a rien d'intéressant à faire, hormis me désengager ici pour éviter de me faire piétiner et puis éviter potentiellement de rien en plus en fait parce que ça changera globalement pas la donne, et la seule chose qui me reste à tenter c'est une domination, mais j'ai absolument pas la capacité de mouvement pour pouvoir aller contrôler un troisième objectif au nez et à la barbe de LOL sur le 5e tour, ce qui veut dire qu'en gros mon tour 5 ne sert à rien d'être joué puisqu'il va pas me permettre de gagner des points supplémentaires. Je vous propose qu'on passe immédiatement au débrief et à l'annonce des scores.
Clairement, c'est le tour 2. C'est le tour 2, la charge des ailes russes. J'ai utilisé énormément de points de coup au tour 2 pour me défendre. Mais le fait qu'il y ait deux ailes russes qui restent malgré la charge d'Ariman, la charge des Mythitiques et de surtout de ton prince démon, ouais. Avec tous les strats que j'ai utilisés, annuler la PA moins 1, moins 2, tout ça, fait que en fait ça a changé la game à ce tour-là. Ça m'a permis de te retirer beaucoup de points, moi d'en marquer énormément ouais. Au tour suivant parce que j'ai marqué plus de 20 points. Et ça a été vraiment ce tournant-là. Non, super game. Je t'avoue que bah, tu l'as vu, j'ai très très peur des grenades. Des 15, donc en fait j'ai pris le parti de vraiment switcher, les éviter, et ça m'a permis de garder une ouais. énorme force, même jusqu'à la fin de la partie quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Moi de mon côté, alors c'est vrai que c'est toujours, et notamment c'est assez le cas sur la V9, c'est vrai qu'à partir du tour 2, ouais, tour 2, début tour 3, je sais que j'ai perdu la partie. Ça, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que bah, tu continues quand même la partie toujours parce que tu as envie de jouer, mais globalement, tu vois qu'avec l'avance des points que tu vas faire et avec les armes qui sont à ma disposition, j'ai plus la capacité de remonter. Pour moi, j'ai fait pas mal d'erreurs de jeu. Alors, c'est vraiment le Codex des Guards, je l'ai jamais joué, donc là, j'ai fait une partie la semaine dernière pour le découvrir. Là, c'est une partie, on est encore dans la découverte du Codex, et il y a clairement des armes que j'ai mal utilisées. Je pense que le gros tournant, effectivement, c'est l'arrivée des ailes russes. Alors déjà, il y a une erreur de ma part, c'est d'avoir bougé mon rhino au tour 1 pour te capter l'objectif, mais du coup ça t'a laissé la place sur les ailes russes de venir et de faire ce qu'ils ont fait, à savoir te mettre énormément de points, me mettre énormément de difficultés. Donc ça, c'est une première erreur sur le positionnement du rhino de ma part. Ensuite, je fais une autre erreur qui est d'utiliser le nuage de mouche à mon tour 1 sur le pack de plagues et non pas sur mon perso, parce que du coup tu le tues assez ouais. aisément grâce à ton stratagème. Et la troisième erreur que j'ai fait, mais ça bon, c'est pour le coup une méconnaissance du Codex Custodes, c'est d'avoir omis que tu pouvais pour un point de com m'ignorer la PA 1 et 2, et ce qui a fait qu'en fait j'ai employé énormément de ressources pour venir au corps à corps contre toi, et j'ai pas fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire t'enlever les ailes russes, récupérer mon objectif, etc. Je pense qu'il y a eu, il y a pas eu de réussite particulière ou d'échec particulier en termes de dés d'un côté comme de l'autre. Je pense qu'on a été relativement stable. C'est sûr que la charge des ailes russes à 9, elle était bienvenue. Ouais. Elle était bienvenue. La charge aussi du prince, du Don Eagle, oui, sur à 10, qui ouais. qui m'enlève Ariman, potentiellement le Death Ex, potentiellement le Warp Time, parce qu'en fait, la liste là, elle était aussi, la liste des Guards, elle était un petit peu tourné dans le fait que on vient mettre Ariman pour avoir un warp time, avoir un petit peu de projection parce que la liste est un peu lente, et du coup le perdre au tour 3, c'est assez handicapant pour moi, parce qu'en fait on voit vite qu'avec le Codex Death Guard, on n'a pas d'option de jeu en termes de mobilité. Il n'y a pas assez de mobilité, et du coup ça te limite. Tu sais que globalement il y a des choses que tu ne peux pas faire, te projeter, aller chercher des objectifs, faire des trucs un peu tricksy, tu peux pas le faire. C'est vraiment pas un codex qui joue dans cette optique là donc ça c'est pareil, moi c'est pas une habitude que j'ai, et clairement Ariman aurait pas dû se retrouver là à s'exposer assez facilement. Donc en gros, on sait qu'à partir d'une fois qu'Ariman est mort, que t'es sur les objectifs, moi je peux plus remonter. Voilà, après petite, là pour le coup, moi c'est encore une fois, c'est une erreur de ma part sur la phase au corps à corps avec les ailes russes. J'aurais pu éventuellement piline avec mon prince démon pour te bloquer un de tes gars, pour que en fait t'obliger à potentiellement perdre en ailes russes en plus sur la phase de cohésion, parce que du coup voilà, les mecs étaient retirés de façon à ce que je puisse potentiellement les tuer à la au moins en tuer un, et voilà, ça aurait potentiellement enlevé le dernier à la russe qui reste qui stack sur l'objectif et qui m'embête énormément. Donc voilà, moi je pense pas mal d'erreurs côté Death Guard. Après côté Custodes, globalement on a vu la létalité des Vénétari. C'est ignoble. C'est une excellente unité de par la mobilité et puis de la létalité au tir. Le double shoot pour un PC, ouais. il est absolument rentable. De plus, tu mets un capi derrière, tu rerolls les 1. Sur les 6, tu fais une touche en plus. Ouais, tu peux mettre le strata pour que ça blesse auto. C'est super stable. Ça lave. On a vu comment ils ont lavé les mythitiques. On a vu comment ils ont lavé les plagues. T'as lavé à peu près tout ce que tu voulais. tu ciblais. Ouais. Après, j'en ai mis deux. La question, c'est est-ce qu'il faut en mettre deux dans des listes? Là, c'est voilà. Bon, c'était un test. Ouais. Et c'est peut-être un peu trop. Là, sur cette piste-là, ça a bien déroulé. Mais oui, c'est ultra fort. On l'a vu. En fait, c'est quelque chose qui est clair. C'est que le Custodes était correct. L'arrivée des entrées forges et le fait que tu commences avec 12 points de coke, que t'as plus besoin d'aller chercher des bataillons taxes,
ça up le custod énormément. Et le Psychic Awakening t'offre des stratagèmes qui sont géniaux. Ouais. Clairement, il complète les stratagèmes de tankiness dont a besoin le custod, parce qu'en fait le custod potentiellement a pas énormément de létalité, mais sur cette V9, le fait qu'il soit super OP avec quasiment toutes ses troupes, qu'il puisse se poser, mais qu'ils doivent tanker, on l'a vu avec les Alarus. Si tu peux pas tanker comme ça, en fait, c'est que des unités cliniques, et là, c'est super dangereux. Quoi. Clairement. Ok, en tout cas, merci à toi d'être venu. Merci pour la game. Ça fait plaisir. Je vous rappelle que vous nous retrouvez, les amis, sur Facebook, sur Instagram. Vous avez le lien du Discord dans la description. Le tapis que vous avez sur la table de jeu vient de la gamme Crank Wargame, que vous retrouvez aussi dans la description. Il y a les accessoires de jeu nous viennent de My Scenery. Il y a une partie de l'armée Custodes qui a été peinte par Wackcolor, si je ne m'abuse. Justement, des Venatari qui ont été faits, ainsi que les Alarus. Merci à la Wackcolor qui l'a fait en speed. Pour compléter cette armée, pour qu'on puisse tester ces unités. Yes. Moi, de mon côté, j'ai joué la Death Guard qui m'a été prêtée par Charlie, donc je le salue, un grand merci à lui, l'armée est magnifique. Voilà, j'espère que le rapport de bataille vous a plu. Si c'est le cas, vous posez le pouce bleu des familles. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre.